Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de la magnifique chanson Retrato en Branco e Preto, écrite par le non moins merveilleux Carlos Tom Jobim. À l'origine, ce n'était qu'un instrumental nommé Zingaro en 1967, sur lequel le splendide Chico Buarque a écrit des paroles. Alors, l'inspiration de l'univers de Frédéric Chopin, eh bien, il se ressent dans les harmonies, hein, la mélodie aussi, hein. Alors, je n'ai pas transposé la tonalité originale de Sol mineur que nous allons jouer ensemble, hein, car si la chanson, ben, elle est un peu trop haute, de 2 à 3 demi-tons pour moi, ben, autant vous éviter de la jouer en mi bémol mineur, hein, et puis forcer un peu sur ma voix. Aujourd'hui, ça va à peu près, puisque cela n'a pas d'importance, puisque je suis là pour faire pas là pour faire des performances, justement, mais des guides avec des tutoriels et les plus simples possibles pour tous mes amis débutants. Voilà. Donc, nous n'aurons donc pas besoin cette fois-ci d'avoir recours à la transposition interne de nos claviers numériques. Néanmoins, je vous recommande de toujours lire dans la description tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition et puis de l'appliquer si besoin, bien sûr. Naturellement, si elle est à zéro, symbolisée par les deux lettres K et T qui transposent en anglo-saxon, ben c'est qu'il n'y a rien à modifier. Comme aujourd'hui, par exemple, c'est zéro. Voilà. Donc, mais naturellement, hein, rien ne vous empêche d'augmenter ou de diminuer la transposition interne, hein, si la tonalité, ben, elle n'est pas ajustée à votre voix, hein, comme moi aujourd'hui, j'aurais bien eu besoin de 1, 2, 3, voire 4. Hein, c'est une affaire de confort vocal. Voilà. Bien, vous trouverez donc dans une autre vidéo aussi sous le titre Guide l'ensemble de la chanson pour vous aider à la compréhension générale, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà. Bien, alors l'introduction apocryphe, parce qu'il y a pléthore de possibilités. J'ai commencé par un La mineur. Donc nous sommes dans une gamme de Sol mineur 7. Sol mineur. Hein. Sol mineur, c'est la gamme. La Sol mineur, c'est la relative mineure de Si bémol. Voilà. La gamme de Si bémol. Donc nous allons commencer par une harmonie d'introduction. La mineur 7 quinte diminuée. Ré 7e. On va faire une petite gamme de la gamme harmonique de Sol mineur. Et on va attaquer. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que pour mes ultra débutants, mes amis, on va pouvoir faire toute la chanson en balade. C'est très très beau aussi. Hein. Et pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, eh bien, on fera la bossa nova. J'inconnais sous, je passe sous, je descends, je trada. C'est qui n'en va et d'un et nada. C'est où c'est grédo. J'adore ça. Je m'emporte, c'est la passion. La passion, comme ils disent. Voilà. Bien, mes amis, où en étais-je? Ah, ben oui, bien sûr, l'introduction. La mineur 7 quinte diminuée. Alors, avant qu'on regarde dans le détail, parce que j'aime à vous préciser, à comprendre, sans rentrer dans des grandes j'allais dire, aventures lyriques, envolées lyriques pour vous parler d'harmonie, mais à ce que vous compreniez ce que vous faites. Voilà. Et avec bien nommer les choses. Alors, d'abord, j'aimerais vous faire apprécier la différence, je le fais, c'est une astuce pour faire la différence entre la septième et la majeure septième. C'est très important parce que, outre cette chanson, tout ce que vous trouverez sur ma chaîne et ailleurs, car c'est une loi universelle de musique, hein, j'ai rien inventé, eh bien, vous en aurez toujours besoin pour faire la différence entre la septième et la majeure septième. Donc, voyons la gamme de La. Dans sa gamme naturelle, bien entendu, et en degré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e, octave. Octave 8, 8, des La, il y en a partout, donc, hein, n'est-ce pas? Donc, le dernier La, le La du dessus sur une harmonie très simple, un demi-ton en dessous, vous trouverez toujours la majeure 7e, et un demi-ton en dessous, la 7e. Alors, on va regarder pourquoi. Tonal, tonal fondamental ou tonique, c'est la même chose. Tierce majeure, quinte, à partir de la quinte juste, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette triade, on va compter 1, 2, 3 demi-tons. C'est une 3 demi-tons, c'est une tierce mineure dominante, donc c'est la septième. 1, 2, 3, 4 demi-tons, la majeure septième. Pourquoi? Parce que c'est une tierce majeure septième, comme son nom l'indique. Et un demi-ton au-dessus, ben c'est l'octave. N'est-ce pas? C'est exactement la même note qui permet de faire des renversements. N'est-ce pas? Bien, on peut faire des renversements de tout, bien sûr, on va le voir. Alors, donc, je répète. La, majeur septième, la septième. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième, octave. Car c'est la gamme naturelle de La. Voilà. Donc, c'est valable, bien sûr, sinon, ce n'est pas une astuce, dans toutes les tonalités.
Donc là, on va partir de la, pour notre première harmonie, la mineur. 1, 2, 3 demi-tons, la tierce est donc mineur et non pas majeur, n'est-ce pas? Donc la mineur, quinte diminuée et la septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième, septième un demi-ton en dessous, vous voyez? Donc la mineur septième. Donc nous avons la, nous avons do, mi bémol et sol. Et on va résoudre par ré septième renversé. Très facile. Gamme de ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième octave. Donc, voyons voir, ré septième déjà. Donc, je vais garder la note fondamentale, je vais garder la tierce majeure en place. On va simplement basculer la septième en bas, n'est-ce pas, le do. Et le la, on va le basculer aussi en bas, c'est-à-dire la quinte majeure. Voilà. Donc, ça nous fait la, do, ré et fa dièse. Donc, vous voyez, très facile à résoudre d'ici, du la mineur septième diminué. 1, 2. Et ensuite, je vous propose, tout ça, ce sont des options, hein, bien entendu. Hein. Soit vous avez la possibilité de descendre la gamme de sol mineur harmonique. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous entendez une petite tonalité orientale. Donc, vous pouvez faire la, sol, bémol, mi bémol, ré, do, si bémol, la, et boum! J'inconnu, souche, pas souche, desta. Mélodie là, hein, d'accord? Alors, soit vous jouez sol mineur septième, on va voir. Donc je répète, l'introduction, la mineur septième minuée, ré septième, renversé, et soit vous attaquez directement. J'accognais, ou alors 1, 2, et voilà, c'est une fantaisie que vous pouvez vous offrir hein, si vous voulez. Une gamme donc sol mineur harmonique. Pourquoi harmonique? Parce que elle eût été, si le mi bémol eût été sur mi, eût été une gamme sol mineur mélodique. On va pas revenir sur les gammes naturelles mélodiques, encore une fois, je fais pas un cours d'harmonie. Voilà, alors. Donc vous pouvez jouer sol mineur septième comme ceci. Donc on va regarder notre première harmonie. J'inconnais, souche, pas souche. Donc sol mineur septième. Mais moi je vous propose de l'améliorer un petit peu avec la neuvième. Donc voyons déjà la gamme de sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième octave. Tonal, tierce majeure, quinte septième. Là on va abaisser la tierce mineure, n'est-ce pas? Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est... garder la fondamentale, la tierce mineure, la quinte en place. Alors regardez bien, 8, 9, et là, cette neuvième, elle m'intéresse fortement. Voilà, elle m'intéresse fortement parce que c'est également la seconde. Donc, vous voyez, on peut la substituer dans le renversement. C'est-à-dire ne pas jouer finalement jouer la septième, ne pas jouer la fondamentale, jouer la neuvième. C'est-à-dire le La, comme ceci. Donc Fa, Fa qui représente donc la septième, tonale, tierce mineure, quinte, septième, n'est-ce pas? La neuvième, septième, neuvième, la tierce mineure que j'enlève là-haut, voilà. Et bien entendu, la quinte majeure. Et comme on joue la note basse à la main gauche, eh bien on a le complet. Ou alors, si l'harmonie enrichie ne vous plaît pas, vous pouvez le jouer à l'écarté comme ça, c'est-à-dire dans sa position fondamentale, sol mineur septième. J'inconnais, souche, pas souche. Oula, voyez-vous, c'est beaucoup plus beau. Voilà. J'inconnais, souche, pas souche, desa estrada. On va descendre d'un demi-ton avec. Alors, j'enlève les doigts, vous avez une belle vue du dessus, pour que vous voyez bien, j'allais dire, je double finalement la basse avec la main gauche. Hein. Là, on est dans la balade de surcroît, donc il n'y a aucun problème. Hein. Donc, j'inconnais, souche, pas souche. En balade, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous marquez les temps. Hein. Desa estrada. Alors, il s'agit de descendre du sol au sol bémol. Et là, on va jouer ré septième renversé. Et c'est très simple d'arriver du sol mineur neuvième. Vous voyez, à repositionner ses doigts. Donc, on va regarder la position fondamentale de ré septième. Tonal, fondamental, tierce majeure, quinte, septième. Et là, c'est très simple. On va simplement basculer la note fondamentale, le ré en haut.
et on garde la tierce majeure, la quinte et la septième que l'on vient jouer à l'intérieur. Donc ça nous fait sol bémol, la, do, ré. Et on joue la tierce à la main gauche, vous voyez, la tierce majeure. Donc ça donne un effet pam, ba, da, ba, da, ba, da, ba, ba. Strada, c'est qui n'en vaille d'un, inada. On descend encore d'un demi-ton, du sol bémol sur le fa, d'accord? Voilà. Donc sur le fa, et donc le fa mineur sixte. Gamme de fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave. Tonal, tierce mineure, et de la partie de la fondamentale, tonique, tonale. 3 demi-tons dessus, c'est une tierce mineure. Donc la quinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la quinte et la sixte. Donc fa, la bémol, do, ré. Je reprends depuis le début tout doucement. Hein. Donc 1, 2, connu souche pas souche, des sa estrada, c'est qui n'en vaille d'un il nada. Oui, très simple, c'est où c'est gré doux. Ah oui, alors sous gré doux. Mi septième, gamme de mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours en degré dans la gamme naturelle. Hein. Tonal, tierce majeure, quinte, septième. Donc mi, la bémol, si, ré. C'est gré doux, c'est chico, chico. Mi bémol majeur, septième. Gamme de mi bémol, vous voyez. Et j'accompagne, bien sûr, du mi au mi bémol, hein, avec la main gauche. Hein. Donc, gamme de mi bémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonal, tierce, majeur, quinte, majeur et la majeure septième, là. Vous voyez, un demi-ton au-dessous de la note tonale mi bémol. Et on va résoudre par la sixte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas? Ré, do, donc, bam, donc mi bémol, sol, si bémol, ré, do, bam, bam. Allez, on reprend tout doucement depuis le début, depuis la mélodie, bien sûr. J'accogne souche pas souche, des sa estrada, c'est qui n'en vaille d'un rimnada, c'est où c'est gré do, c'est chico. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit on va directement au Do mineur 7e, ou alors je vous propose une transition pour ceux qui ont envie, c'est une option, de faire la gamme de Do mineur naturel. C'est-à-dire. Donc gamme de Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. De Do mineur, de Do, le, voilà, de mineur, de la tierce mineure à la tierce mineure. Donc on a Do, Ré. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Pa, Do, Da, Fa. Voilà, c'est ça. On a donc Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol et Do. Donc, là que je poursuis justement Ré et Do dièse. Donc, Pa, Da, on le prend où on veut. Pa, Da, 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 Da. Et là. Vous voyez, regardez, voici Do mineur 7e, tonal, tierce mineure, quinte et la 7e. Vous savez, on a vu déjà, vous voyez, Do majeur 7e, Do 7e, avec la tierce mineure, Do mineur 7e. Donc, Do, Mi bémol, Sol, Si bémol. Mais là, en l'occurrence, le Do, je le transfère en haut, et la tierce mineure, je la transfère en haut. Sol, Si bémol, Do et Mi bémol. Comme ça, c'est très simple. Donc, je monte le passage, c'est où c'est gré douce, c'est chico. Soit avec le passage, j'accogne swash, ou alors rien du tout, on le refait, c'est où c'est gré douce, c'est chico. J'accogne sous, vous voyez, directement, pam, bam, et là, boum. Passer directement sur l'autre ligne, sur Do mineur 7e, n'est-ce pas? Donc Sol, Mi bémol, Do et Mi bémol. Sol, Si bémol, pardon, Do et Mi bémol. Donc j'accogne sous H, Pedras. Vous voyez, on est très. Pourquoi je choisis cette harmonie-là? Ce renversement, c'est pour que vous soyez très proche ensuite du Ré 7e, bémol 9e. Donc tonal, tierce, quinte, 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 bémol, mi bémol, donc regardez, 7, 9e bémol, vous voyez,
Donc il suffit simplement de se mettre à l'intérieur. Donc il nous est très facile de passer du Do mineur 7e au Ré 7e bémol 9e. Vous voyez? Bam, bam. Vous voyez? C'est très intéressant. Sol bémol, La, Do et Mi bémol. Donc je reprends tout doucement depuis Si, Ré, Do, Si, Chi, Con. Já conheço as pedras do caminho. Alors, do caminho, si bémol majeur septième. C'est pareil, je vous ai groupé les harmonies pour que ce soit plus simple. Donc, gamme de si bémol déjà, toujours en degré naturel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonal, tierce majeure, quinte majeure et majeur septième. Vous voyez, ça corrobore bien ce que je vous disais, un demi-ton en dessous du si bémol. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la tonale, on va garder la fondamentale tonale tonique, comme on veut. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est infantile. Donc, si bémol ré, la tonale est avec la tierce majeure, la quinte, le fa, je le descends bas, et la majeure septième aussi, voyez-vous? Me dire, eh oui, ça ressemble furieusement au sol mineur, mais oui, c'est exactement la même chose, sauf que la différence fondamentale, c'est qu'on joue pas sol, on joue si bémol majeur septième. Les harmonies peuvent être les mêmes à la main droite, mais elles changent de nom à condition de la manière dont la basse, voilà, c'est la basse qui donne très souvent le, enfin pas toujours, mais qui donne la plupart du temps le nom de l'harmonie. Ça, c'est si bémol majeur septième renversé, et ça, c'est si je joue sol, vous entendez complètement différent, c'est sol mineur septième. Parce qu'on a vu que dans la structure, c'était absolument pas la même chose. Vous voyez, là, on vient de ceci, n'est-ce pas? Alors que dans sol mineur septième, on vient de cela. Voilà, c'est-à-dire avec le sol, voilà. Et là, on vient du si bémol majeur septième, avec une note fondamentale, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est exactement la même harmonie, mais ça s'appelle si bémol majeur septième. Et d'ailleurs, on va la réduire avec la sixte. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va nous permettre de jouer sol, si bémol et ré. Donc je regarde. Depuis la deuxième ligne, Ja, cogné, sous H, Pedras. Ré, septième, bémol, neuvième, du camino. Si bémol, majeur, septième. Et c'est un bém. Et là, voilà. Et c'est un bém, là, du si bémol majeur septième, passé au si sixième, qui a l'isosigne. Je vais simplifier les harmonies, hein. La septième, l'isosigne. Donc la septième, pas de problème. Gamme, son naturel, tonale, tierce majeure, quinte majeure et septième. Donc on a la, on a ré bémol, on a mi et on a sol. Et vous fica, et vous fica. Vous allez jouer la quinte augmentée. 1, 2, 3, 4, 5, augmentée. Là, c'est la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la gamme. Donc, c'est quinte augmentée. N'est-ce pas? Puis, tanto pio. Ré majeur 7e. 1, 3, 5, majeur 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e. Donc, Ré, Fa dièse, Sol bémol, La et Do dièse ré, ou Ré bémol. Donc je reprends tout doucement depuis le début. Allez. Ja cogné sous pas sous dessa strada, sei que não vai dar em nada, seu segredo, sei de cor. Ou rien, on est d'accord. Ja cogné sous as pedras do caminho, et c'est un bem. Qui sozinho e vous ficar tanto pior. Voilà, là je l'ai, là, voilà. D'accord? Tanto pior. O qui est ou posso. Très joli, là, voilà, ça c'est très Chopin. La bémol septième. Gamme de la bémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonale, tierce, quinte, septième. Et qu'est-ce qu'on remarque? Mais on remarque qu'on pourrait très bien jouer. Pour retomber sur nos pattes, la gamme de sol mineur septième. Donc, la bémol septième, on va se contenter de faire très simple, la bémol, do, mi bémol, sol bémol. Voilà.
Et donc, je vais vous faire l'enchaînement hein, sur c'est très très beau cette fluidité. Donc, à partir d'ici, Jean sous Ré bémol, Ré septième, bémol neuvième, Do Camino, Si bémol majeur septième, Si bémol sexta, et Tembem qui a l'isozinho, la septième, et vous fica, Tento peu, Ré majeur septième, et qui ou po sous la bémol septième, contrae incanto. C'est-à-dire, plus la bémol septième, hop, on descend sur un demi-ton en dessous en mineur. Et en mode mineur, ça donne cette superbe couleur. On revient sur sol mineur septième. Décemment que o nego tento. Et cette volute sombre et à la fois très élégante. Hein. Voilà. Donc ré septième fa dièse. Hein. Donc c'est la même harmonie. Et vite tout tantu et qui non tantu. Fa mineur 6, je reviens pas dessus. Hein. Volta sempre, mi septième, je reviens pas dessus, hein, on a déjà vu. Hein. Amfetchissa, mi bémol majeur septième, je reviens pas dessus non plus. Hein. De la même manière, bam bam bam, si vous voulez, ou alors, pour aller sur do mineur septième, vous faites comme vous voulez, ou alors mi bémol ré, do, vous allez, comme vous voulez, c'est des options. Hein. Fetchissa, ou alors rien, comme ceci. Como sei o smesmos. Alors là, tristis. Vous allez jouer do dièse avec. C'est le renversé de do dièse diminué, septième. Alors, comment fait-on cela? Je vais vous montrer comment on fait un accord de diminué septième. À partir de do dièse. 1, 2, gamme de do dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonal, tierce, quinte, septième. Bien, c'est très simple, on garde la fondamentale en place, on diminue d'un demi-ton la tierce, la quinte et la septième. Et après, ben, on en fait ce qu'on en veut, on le renverse. C'est-à-dire que, par exemple, la tierce diminuée ici, le mi, ben, je peux la mettre en haut, le sol, je peux le mettre en haut, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, ça nous fait, entre guillemets, 1, 2, 3, oui, c'est tous les renversements possibles, hein, voyez-vous? C'est très classique dans le piano. Hein. Donc, nous, on va choisir celui-ci. Avec sol, si bémol, ré bémol, do, et en jouant do dièse, parce qu'on est très proche finalement de notre affaire, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je reprends. Como sei o smesmos tristis, vous voyez? Sol, si bémol, ré bémol, mi, donc ré dièse, hein? Ré bémol, pardon. Velus fatus, pourquoi? Parce que regardez, là on remonte encore à la main gauche sur ré pour rejouer sol mineur septième. Fa touche qui nous mal bon mi bémol majeur septième tiré tra touche do mineur septième et outé mou mi bémol mineur septième. Vous voyez, c'était la tonalité que j'aurais pu vous proposer pour accorder ma voix et outé mou. Là, on rigole plus hein, parce que un tonal gamme de mi bémol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tonal, tierce mineure, quinte majeure et la septième, avec les noirs. Donc mi bémol, sol bémol, si bémol, ré bémol. Mais là c'est très facile. Hein. Temuem colle. On descend d'un demi-ton, c'est-à-dire ré septième, ré, fa dièse, la, do, nexiona. Alors là vous pouvez jouer sol mineur septième, ici, là, si vous voulez. La mineur septième diminuée comme dans l'introduction. Ça fait un turnover, comme l'on dit, c'est-à-dire une transition. La mineur 7, ré 7e, et là vous pouvez faire usage si vous voulez pour le deuxième couplet. De toute façon, il n'y a que deux couplets. Hein. Donc la deuxième partie de la chanson. Donc vous pouvez jouer si vous voulez. Pas la 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 la. Et on repart. La vous et Ogino vous, comme Toulou. D'abord, je vais vouloir jouer lentement hein, tout le premier couplet. Hein. Allez, on y va. 1, introduction, 2, allez directement, sans fantaisie. Já conheço os passos dessa estrada. Sei que não vai dar em nada. Sei o segredo, sei te compaimba.
Já conheço as pedras do caminho, e se tem bem que ali sozinho, eu vou ficar atento pior. Dessa mão que eu nego tento, evito tanto e que não tento, volta sempre a enfeitiçar. Sans fioriture, directement au do mineur septième, como sei os mesmos tristes, velhos fatos, que num álbum, mi bemol major septième, de retratos, do mineur septième. Et un thème, il va en mineur septième, et me collesse. Si on a un, deux, trois, quatre, et un, deux, et là, soit vous parlez, vous faites une descente donc de la gamme de sol mineur harmonique, ou alors, là, et là vous repartez sur deuxième couplet, voilà. Ça va être exactement la même chose, donc je vous propose d'enchaîner les paroles, parce qu'on a une bossa nova à faire, hein. Donc, là vous et au Ginovo, comme un Toulou, procurar o disconsolo, c'est la même chose, qui cansei de conhecer, mi bémol majeur 7, 6, ensuite, do mineur 7ème, novos dias tristes, ré 7ème bémol 9ème, noites claras, si bémol majeur 7ème, versus cartas, si bémol 6, minha cara, la septième, inda volto, la quinte augmentée, ali escrever, ré majeur septième, pra li dizer, la bémol septième, qui chiso e pecado, sol mineur 7-9, hein, et au trago pe tutto marcado. La septième avec fa dièse, d'embrassance du passado, fa mineur sixième, y vosse, mi septième, a sa verrassa, mi bémol majeur septième. Ensuite, la péroraison, vous collectionnez, do mineur septième, do dièse diminué, mais un sonnetto, c'est pam pam. D'accord, c'est la même chose, hein, donc vous voyez, do mineur 7ème, vous collectionnez, do dièse diminué 7ème, mais un sonnetto, sol mineur 7ème avec ré, ultra retrato, mi bémol majeur 7ème, en branco et preto, donc toujours do mineur 7ème, hein. A maltrata, mi bémol mineur 7ème, mais au corps, et septième rassa. Et alors là, vous le répétez, vous collectionnez, mais un sonnetto, outra retrato, en branco et preto, a maltrata, mais au corps. Et vous terminez la chanson. Moins que je la ferai en français aussi en italien, vous allez voir, elle est somptueuse aussi. Si le cœur vous en dit, hein, là, ça va venir, hein, je l'ai trouvé en français. Donc la mineur septième diminuée, et je vous propose une belle harmonie pour terminer. Sol mineur majeur neuvième. Vous voyez, donc c'est-à-dire un si bémol majeur septième, mais c'est un tonal tierce quinte septième majeur septième, n'est-ce pas? Voilà. Voyez-vous? Très belle harmonie comme ça. Voilà. Donc c'est la neuvième si vous voulez, hein, puisqu'on part de sol 1, 2, 3, de sol mineur, 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n'est-ce pas? Donc sol mineur, septième, neuvième, voilà. Avec la majeure, sol mineur, majeur, voilà. Voilà. C'est très très beau, hein. Bien, alors, je vous propose maintenant désormais voilà, de passer à la bossa nova. Il y a urgence, le temps tourne. Bien, j'espère que vous avez tout le vademécum. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va avancer, pas à pas. On va faire toute la chanson pour que je vous montre comment j'articule finalement avec
très simplement. Donc, donc, je rentre sol mineur septième, on va faire toutes les harmonies et la chanson ensemble. Je vais bien enlever les doigts qui vous permettent, puisque vous allez pouvoir la faire à l'articuler seulement avec deux notes, n'est-ce pas? Comme dans toutes les bossa nova, j'ai pris quelque chose de régulier pour que ce soit conforme finalement et que vous puissiez progresser comme tel. Donc, le sol mineur neuvième, on va prendre toujours sa quinte. Si la quinte est diminuée, donc en diminuant la quinte. Donc, où est la quinte de sol? Mode majeur ou mineur, ça n'a pas d'importance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est Ré. Donc Sol, je garde la fondamentale, la tonale, et je bascule le Ré, n'est-ce pas? Donc, pam, 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 pam. Donc, voyez-vous, la fondamentale et la quinte renversée. Et à chaque fois qu'on aura une, en revanche, une quinte diminuée, mais on l'appliquera. J'ai cogné sous spasou. Et là, en revanche, comme on joue Fa dièse, voyez-vous, c'est-à-dire harmoniquement, ben on ne se gêne pas, on joue la tierce avec la tierce majeure avec la fondamentale. C'est qui n'en va nada. Là, en revanche, sur Fa, on va reprendre le principe fondamental quinte. Où est la quinte de Fa? En mineur ou majeur? 1, 2, 3, 4, 5, c'est Do. Donc Fa, je renverse le Do. C'est où c'est que j'ai tout. Donc Mi avec Si. Bon, je ne vais pas tous vous les faire pour vous éviter de chercher les quintes. Comme ça, je vous les annonce, je vous annonce l'harmonie, j'essaie de chanter, j'essaie de tout faire. Parce que je ne peux pas faire de trop longues vidéos non plus. Hein. C'est déjà, on a déjà passé la demi-heure, vous voyez. Je suis trop bavard peut-être, mais j'essaie de vous expliquer. Voilà. Donc Mi et Si, voilà. C'est Chico. Donc Mi bémol avec Si bémol, main gauche bien sûr. Ensuite, Do et Sol. Ja cogné sous H pedras. Alors là ici, pas de problème avec la quinte puisque c'est la neuvième bémol. Do caminho, Si bémol avec Fa. Et c'est un même sur le Si bémol 6, pareil, ça change pas. Hein. Si bémol Fa qui allie au zénu, là avec Mi. Et vous fica, on change pas la basse, hein, la et mi, hein. Tanti au pire, et avec la, hein. Et qui ou po sous. Là par contre, la bémol et ré, mi bémol. Contrayen canto, sol avec ré, décemment que o nego tento. J'adore ce passage. Fa dièse, ré. Evite tout tanto et qui non tanto, Fa et Do, volta sempre, Mi et Si, hein? Un petit ça, Mi bémol, Si bémol. Alors là, évidemment, vous pouvez faire la fantaisie, mais sinon, boum, hein? Do mineur septième, comme c'est ou schmeschmouche, Do avec Sol, bien sûr, hein? Tristiche. Alors voilà, ça c'est intéressant. Vous allez pas bouger, c'est-à-dire. Regardez, comme c'est ou smèche mouche tristiche sur le do dièse. Bah oui, mais où la quinte? Normalement, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Mais on a diminué la quinte, donc restez sur sol et do dièse. Vous voyez? On a diminué la quinte, mais on l'a diminué à la basse aussi. Hein. Donc je reprends. Comme c'est ou smèche mouche tristiche, Vénus fatouche, ré. Où est la quinte de ré? 1, 2, 3, 4, 5, c'est là. Normalement, c'est là. Mais là, en l'occurrence, on va garder le sol. Voilà. Ça fait une. Jobim veut qu'on garde le sol. Et il a raison, d'ailleurs, harmoniquement. Donc, oui, il y a des règles, mais parfois. Donc, je reprends. Comme on sait où je mets, je mouche tristis. Mais où je fatou, fatouche. Vous l'entendez. Qui nous mal bon. Mi bémol avec Si bémol, giretratouche, Do avec Sol, et Eutemu, Mi bémol, donc avec Si bémol, et M'collé, vous descendez sur Ré, là, Siona, et là, regardez bien, on l'a la quinte diminuée, et bien, pam, 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 d'accord, donc là, vous jouez bien Mi bémol et pas Mi. C'est pas la quinte de là, ça n'est pas Mi, là, elle est diminuée, donc on la diminue aussi.
ré, septième ré avec la. Et deuxième couplet. La vous et au gino vous comme un polo. Je vous laisse regarder. Procurar uji consolu. Voilà. Qui cansei mi avec si. Ti connaissais. Mi bémol, si bémol. Mi bémol majeur, septième, sixte. Aïe, da 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 da. Do avec sol, pardon. Do mineur septième, do avec sol, oui. Diage tristiche, ré bien sûr, ré septième, bémol neuvième. Notis clara, si bémol fa, vestus cartas. Là on change pas. Si bémol majeur septième, si bémol sixte, on change pas notre basse, hein, c'est toujours si bémol. Je l'ai dit, c'est la fondamentale qui compte. Hein. Minha cara, là avec mi. La septième, inda volto, quinte augmentée, et ali escreven, ré majeur septième, prali dizen, donc la bémol septième, la bémol, mi bémol, ali esquise, prali dizen, qui chiso et peka, do, donc sol et ré avec sol mineur 7, 9, hein, et au trago et pe tout au marcado. Oh, que c'est beau ça! Ré septième, donc avec ré, ben, fa dièse et ré. Hein. On a vu qu'on jouait la tierce pour avoir l'effet harmonique de la tierce majeure. Hein. Gilambrassas du passado, fa avec do sur fa mineur sixte. Hein. Et vosse mi avec si sur. Septième, sa bien rassa, mi bémol, si bémol. Vous collectionnez, do mineur septième, on ne bouge pas, tête du sol hein, avec le do dièse par contre. Mais sonnetto, ré avec sol, donc bam bam bam, voilà ce qu'on fait à la basse, c'est toujours avec sol. Bam 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 bam, d'accord, je reprends. Colleziona, mai sul sonnetto, outro retratto, mi bémol, donc mi bémol et si bémol, en branco e preto, do e sol, a maltrata, mi bémol, toujours avec si bémol, mi cora, ré avec la, sa. Ah oui, vous pouvez aussi faire la neuvième comme ça, hein, si vous voulez, hein. Voilà, vous pouvez faire tous les renversements que bon vous semble, après harmoniquement. Hein. Bam, 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 bam. Et alors là, bam, da, bam. Par exemple. Hein. Ou alors reprendre la chanson. Hein. Maltrata, mi corazón, par exemple. Bam, 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 bam. Vous repartez. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada. Je crois que je peux jouer ça toute la journée, toute la nuit, je m'en lasserai jamais, toute ma vie d'ailleurs, je m'en lasserai jamais. C'est o segredo, c'est chico, c'est fascinant, voilà. Bon, voilà mes amis, donc je pense que vous avez un vademécum pour vous en sortir. Donc je reprends bien... toutes les harmonies, allez, ensemble, vite fait, mais bien fait, j'espère. Donc, sol mineur septième, neuvième, j'a cogné, sous je passe, sous je descends, estrada. Ré septième, fa dièse, pam, 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 pam. C'est qui n'en vaille d'un, il nada. Fa mineur six, c'est ou c'est gredo, c'est chico. Mi bémol majeur 7, 6. J'a cogné, sois, do mineur septième, as pedras. Ré septième bémol neuvième du camino, si bémol majeur septième et c'est un bémol, si bémol sixte qui alice aux la septième et vous fica la quinte augmentée tanto pior ré majeur septième là avec la bossa nova donc vous avez compris vous inversez seulement la quinte hein, c'est tout un pam parana pam pa fica pior o qui et qui o posso. Donc la bémol septième, contra, in contra, on canta tout. Sol mineur neuvième, desamo que unego tento. Alors après,
Il ne reste plus qu'à mettre un peu de tempo, voyez-vous, de rythme sur en balle de balade, et c'est tout. Hein. Ré septième fa dièse, et vi tu tantu et qui nous entendu, fa mineur sixte, sixième. Volta sempre, mi septième, en feci sa, mi bémol, mesure septième. Do mineur septième, comme seus mesmus tristis. Do dièse diminue septième. Velus fatus, ré avec sol mineur septième. Qui nous mal bon. Mi bémol majeur septième. Gire tratus. Do mineur septième. Et ultimo. Mi bémol mineur septième. Em colle. Ré septième. Siona. Sol mineur septième. La mineur septième diminuée. Ré septième. Et boum, on est reparti. La vue et ugino comontulu procurar ugis consolu qui canseigi cognisse. Novos dias tristis, noches claras, versus cartas, minha cara, enda volto a escrever. Pra lhe dizer que Jesus é pecado, o trago, meu peito tá marcado de lembranças do passado, e você sabe a razão. Vou colecionar mais soneto, outra retrato em branco e preto, a maltratar. Un sonetto, un ritratto in branco e preto, a maltrattarmi un corazzato. Un, due, tre, si bemol, re, fa, la. Voilà, mes amis, je pense que vous avez un bon vademécum pour vous faire plaisir. Plein de bonheur avec cette chanson, car il s'agit que de cela. Si vous avez la curiosité d'explorer ma chaîne, vous trouverez une playlist consacrée au fabuleux Tom Jobim, une playlist dans laquelle, dans les chansons latines aussi, vous trouverez Chico Buarque, parce que c'est un immense compositeur aussi. Mais j'ai une préférence absolue pour Jobim, bien sûr. Hein. Je ne m'en cache pas. Et donc, vous avez une grosse playlist latine de Jobim et surtout, une grande odyssée de Michel Legrand pour lequel je lui ai consacré des centaines de vidéos. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre passion comme celle qui m'anime, pour vraiment, j'allais dire, être heureux de faire ce que nous faisons. Merci en tout cas de tout cœur et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.